Hey tout le monde, donc je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale, en ce moment on fait que de faire des vidéos spéciales. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter tous mes animaux Playmobil. Oui, vous avez entendu, tous mes animaux Playmobil. En tout cas, beaucoup dans ce que j'ai retrouvé, il y en a quelques-uns que je n'ai pas retrouvé mais que je sais que j'ai. Du coup je vais quand même vous les dire. Mais vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui ma collection de Playmobil. Et donc on va essayer de compter à peu près combien j'en ai. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Bon, on commence avec l'animal tout bête, hein, une petite souris. Alors là je vous en présente qu'une, mais il me semble que j'en ai 4 autres, mais je les ai pas retrouvés parce qu'ils sont tellement minuscules et que c'est tellement bazar que j'arrive pas à les retrouver. Donc on va compter 4 souris pour le départ. Ensuite, on a donc les taupes, mais là encore, je pense que je dois en avoir 3 autres de plus, donc ça fait 5, donc ça fait déjà 9 animaux. Enfin voilà, mais en tout cas, elles sont noires comme ça. Et vous savez, c'est les qu'on trouvait dans les trous de terre, ces petits animaux. Je me demandais quand j'étais petit, mais ils servent à quoi en fait? Mais oui, bah, c'est eux qui nous creusent des trous dans notre jardin, mais ils existent bien. Donc voilà, voici nos petites taupes. Ensuite, j'ai des petits ratons laveurs, donc j'en ai 2 là par contre. Je pense que je n'en ai pas plus, donc ça fait 11 animaux. Du coup, vous les voici, franchement, ils sont trop mignons. Du coup, j'en ai un qui est allongé, un, comme vous pouvez le voir, qui est debout. Donc, c'est 2 animaux presque différents, finalement. Puis voilà, en tout cas, ils sont vraiment trop mignons. On continue avec les écureuils, mais là aussi, je sais que j'en ai 3 de plus qui sont en bas dans le calendrier de l'avant Heidi. Ah, du coup, ça fait 6, mais en tout cas, voici. Donc, il y en a un qui est orange ici, il y en a 2 qui sont marrons. Enfin, bref, en tout cas, ils sont juste trop mignons. Donc, on va en compter 6, même si je pense que j'en ai même un peu plus. Mais bon, on va dire 6 déjà, c'est pas mal. Ensuite, je vous présente les lézards et vous voyez que j'ai quand même quelques sortes différentes. Donc j'ai un lézard comme ça qui est avec des points différents. Alors, je pense qu'il ne s'est pas effacé, c'est juste qu'il était comme ça. 2 lézards qui sont exactement pareils. Simplement il y en a un qui est un peu plus vécu que l'autre. Ensuite on a donc un lézard rouge comme ça. Non, c'est plus orange foncé. Mais bon, ça, il a un peu vécu. Du coup, bah il a pas, on voit plus, vous voyez, ses points. C'est dommage. Ensuite, je vous présente ce petit perroquet. Donc il est trop mignon. Bon, j'en ai qu'un seul. Ce qui est bien dommage. J'aurais aimé en avoir plus, mais en tout cas, il est juste trop mignon. Ensuite, j'ai 2 petits oiseaux. Donc, je pense que ce sont des corbeaux, mais je ne sais pas trop. Je ne m'y connais pas trop en termes d'oiseaux. Bon, c'est les 2 mêmes pour le coup, mais je les aime bien. Ensuite, voici nos lapins. Bon, là, vous en voyez 4, mais je suis sûr que j'en ai encore 3 autres. Mais comme je ne les retrouve pas, bah voilà quoi. Du coup, ça ferait 7 lapins. Donc là, dans ceux que je vous présente, on a un gris qui est debout, un marron qui est comme ça, un blanc qui est allongé, et un autre marron qui est allongé. Donc voilà. Pour les lapins. On continue avec les chats. Et alors là, par contre, j'en ai énormément. J'en ai 12 ici. Bon, certes, c'est pas non plus foufou, mais je sais pas vraiment si j'en ai plus finalement. Donc, on va laisser ce nombre-là. On voit que j'ai un chat noir comme ça, avec son bébé. Un chat blanc avec des taches et 3 petits chats blancs. 2 petits chats gris. Un petit chat gris foncé, c'est pour ça qu'il est pas avec les chats noirs. Et un grand chat à rayures. Et 2 autres chats à rayures. Donc, franchement, ils sont juste trop beaux. Et voici donc maintenant les chiens. Donc là j'en ai 9, j'en ai moins que les chats. Mon gros regret parce que je préfère les chiens que les chats. Donc j'ai un chien noir, un chien avec des taches, un chien beige tantale, et 3 chiens beiges avec des taches, un chien tout blanc et un dalmatien. Donc, franchement j'aime trop. Ensuite voici les poules et les poussins. Et là du coup j'ai un coq, 2 poules et 6 petits poussins. Du coup je vous les montre ensemble parce que je trouve que ça va ensemble en fait. Du coup ça nous fait donc un total de 9 encore, mais franchement j'aime trop. Regardez ces petits poussins, ils sont trop mignons. Ils sont pas tous pareils comme vous pouvez le voir. Enfin voilà, et donc on a notre petit coq. Bon, avec 2 poules, oui, hein. Ensuite voici nos chèvres, bon je sais pas si c'est toutes des chèvres, mais en tout cas ils se ressemblent, du coup on va les compter comme ça. Non, ça c'est pas du tout une chèvre, hein. Ça n'a rien à voir. Ça c'est un fan, mais bref. Du coup, voici nos chèvres, et ça doit être des taureaux. Et on peut en compter une en plus, du coup c'est super. Ensuite ça c'est quelque chose que beaucoup détestent, mais voici donc la fameuse araignée que je possède, qui vient tout droit de l'école, de la salle de biologie. Mais oui, donc j'ai bien une araignée en Playmobil. Donc voici donc nos petits moutons. Donc j'ai 2 gros moutons et un bébé mouton. Voilà, donc ça fait donc 3 moutons. Donc c'est pas mal. Je sais pas si c'est des moutons, si c'est des agneaux, mais dites-moi si vous savez. Ensuite j'ai un singe, donc j'en ai qu'un seul, mais bon, on va, ça suffit déjà. Un petit singe. Ensuite voici les oiseaux. Donc en fait j'ai tout mis en termes d'oiseaux de toutes les espèces. Donc ici nous avons un pélican. Ça c'est donc une grue, ça c'est donc un oiseau blanc et un deuxième oiseau blanc que j'avais eu dans la dollhouse. Des oiseaux bleus, encore un oiseau orange et un oiseau encore bleu clair. Je sais pas si j'en ai plus, donc on va garder comme ça. Ça fait donc 2, 4, 6, 8, 10 oiseaux. On continue avec les vaches. Donc voilà, donc j'ai une vache et une petite vache, tout simplement. Voilà, 2 vaches. On continue avec les chevaux et les poneys. Donc je n'ai qu'un seul grand cheval finalement. Et le reste ce ne sont que des poneys, donc j'ai 4.
4 petits poneys, un qui vient d'une boîte spéciale plus, un qui vient d'un calendrier de l'Avent, et deux autres qui viennent donc d'une valisette, je crois. Enfin voilà. Alors, on continue avec les manchots, par contre, je suis sûr qu'il manque un petit avec 4 petits, les amis, j'en suis sûr. Du coup, vous en voyez que 3 sur 4, du coup, ça fait 6 manchots. Mais voilà, nos petits manchots. Ensuite, j'ai un renne, mais il me semblait en avoir un deuxième, mais que je n'arrive pas à retrouver depuis un an. Je sais pas où il est, vraiment, je suis sûr que j'en ai un deuxième. Du coup, je vais quand même le compter, et je vous dirai quand j'aurai rangé tous mes Playmobil dans un mois. Vous comprendrez pourquoi dans un mois. Je vous dirai si j'ai retrouvé le renne, parce que ça me surprend, j'en ai qu'un seul. Normalement, j'en ai deux. On continue avec les pandas, et donc nous avons 4 pandas et 2 petits. Alors, j'explique pourquoi j'ai deux fois la boîte des pandas, parce que normalement c'est 2 pandas et un petit. En fait, c'est parce que j'ai eu deux fois la boîte suite à une erreur de transmise pour les lits d'anniversaire. Et du coup, j'ai eu deux fois les pandas. Et c'est trop bien parce que du coup, je peux faire un giga enclos des pandas. C'est pas trop cool. Ensuite, j'ai bien évidemment le géant crocodile. Malheureusement, ces petits, je les ai pas retrouvés. J'ai cherché pendant 20 minutes. Du coup, j'ai deux petits. Ça, je le sais à coup sûr. Mais du coup, voilà, donc ça fait un grand crocodile et deux petits. Mais donc, vous pouvez seulement admirer le grand crocodile qui est juste magnifique avec sa bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Ensuite, nous avons les flamants. Et du coup, après ma visite au zoo, je pense que ce ne sont pas tous des flamants roses si on en croit ce que j'ai vu l'autre fois. Donc, on a donc un flamant rose pour le coup. Ça, je pense que c'est un autre flamant. Je ne sais pas la sorte, ça aussi. Ça, je pense que du coup, c'est un autre flamant rose. Ça, je pense que du coup, c'est un autre flamant. Etc, etc, etc. Mais bref, en tout cas, ils sont trop beaux. Je les aime tous quand même. Du coup, ça fait 6 au total. Ensuite, j'ai des suricates. Non, mais ils sont pas trop craquants, franchement. Mais que ce soit dans la vraie vie, ou même sur des jeux vidéo, ou sur un Playmobil, mais à chaque fois, ils me font craquer. Mais vraiment, ils sont trop mignons. J'en ai 4, mais ils sont trop mignons. C'est incroyable. On passe au lion. Et donc, voici. Donc, j'ai un grand lion, 2 lionnes et 2 petits lionceaux. Donc, bah, en fait, c'est vrai que j'ai pas vraiment. J'ai qu'un seul lion finalement. La lionne ici, je sais pas si elle était jaunie comme ça ou si c'est juste qu'elle a jaunie. Je pense qu'elle a plutôt jaunie et que je pense que la couleur de base était celle-ci. Mais bon bref, en tout cas, elles sont juste trop belles et j'aime trop les lions. On continue avec le zèbre et par contre là, je crois que j'en ai deux. Hein, mais je sais pas où il est l'autre. Du coup, bah, on va compter deux zèbres. Mais voici à quoi ils ressemblent. Donc il est plutôt cute. Voici les éléphants. Donc là, par contre, je suis sûr que j'en ai deux. Voilà. Donc voici nos petits éléphants. Donc j'en ai seulement deux. Donc on a un. En fait, ils sont tous les mêmes, hein, comme vous le voyez. Ils n'ont pas vieilli, je ne sais plus, ils viennent pas du zoo, j'ai dû les avoir à un autre moment. Enfin, en tout cas, j'ai deux éléphants. Et on termine cette vidéo en beauté avec les fameuses girafes. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Certaines ont plus vieilli que d'autres, mais quand même, j'en ai pas mal et c'est trop bien. Et les amis, je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'oublier, mais bien évidemment, j'ai oublié le papillon en fait. Du coup, j'en ai au moins 4, je vous en montre juste un parce que je viens d'y penser, sachant que c'est quand même mon insecte préféré et mon animal préféré. Bref, je l'ai oublié. Non, mais waouh. Bref, du coup, voici les le papillon, il est trop beau. J'en ai un rose, j'en ai plein des papillons. Enfin voilà, en tout cas, je les aime toujours autant. Et voilà ce que ça donne avec tous les animaux réunis. Ça donne trop bien. Et je suis en train de penser, j'ai oublié les koalas, donc en fait on peut en rajouter 3, du coup ça fait 337, donc vous voyez heureusement que voilà. Et voilà, du coup j'ai oublié les koalas. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.